My name is Eli Tobi. I am the assistant curator at the Smithsonian Conservation Biology Institute in Gabon. I am excited for the opportunity to present about the efforts underway in Gabon to digitize and mobilize our vertebrate collection with the support of a GBF and BID grant. Gabon is a small country in Western Equatorial Africa. And what we lack in size, we make up for in being incredibly biodiverse. Language is a major barrier for researchers waiting for digitize, wanting to digitize and publish collections data in Africa. Despite being the fifth most spoken language on Earth, and the second most common in Africa, French resources about digitization data management and publishing are lacking. Furthermore, French-speaking region of Africa, primarily really Central, West Africa, and Madagascar, host some of the highest biodiversity on the continent, and therefore, are of great importance to scientists and decision makers. Without having representation in online portals like GBF and IDigBio, these important collections are effectively invisible. Producing relevant or applicable resources about digitization in French will help shine a light on these valuable natural history records and allow the data holders in Africa to retain the autonomy of their collections. Awarded a GBF BID grant in 2021, an international multi-language network of partners has undertaken the important task of digitizing and mobilizing Gabon's vertebrate collection. There are an estimated 13,500 vertebrate specimens housed in 5 institutions in different parts of Gabon. To date, the group has mobilized more than 4,600 vertebrate records to our recently launched Gabon Biodiversity Portal. The Gabon portal also hosts French guides for using symbiota-based portals to manage georeference and publish natural history databases. These resources can provide much needed guidance for other Francophone countries in Africa and beyond, working to maximize the accessibility and value of their biodiversity collections. Thank you very much for listening. Je m'appelle Eli Tobi. Je suis conservateur adjoint au Smithsonian Conservation Biology Institute au Gabon. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de présenter les efforts en cours au Gabon pour numériser et mobiliser nos collections de vertébrés avec le soutien d'une subvention GBF-BID. Le Gabon est un petit pays d'Afrique centrale et ce qui nous manque en taille, nous le compensons par une incroyable diversité biologique. La langue est un obstacle majeur pour les chercheurs qui veulent numériser et publier les données de collection en Afrique. Bien qu'il s'agisse de la 5e langue la plus parlée au monde et de la 2e en Afrique, les ressources en français sur la numérisation, la gestion des données et la publication font défaut. De plus, les régions francophones d'Afrique, principalement l'Afrique centrale, occidentale et Madagascar, abritent une partie de la plus grande biodiversité du continent et sont donc d'une grande importance pour les scientifiques et les décideurs. Sans représentation sur des portails numériques et des agrégateurs internationaux comme GBF et IDigBio, ces importantes collections sont invisibles. La production de ressources pertinentes applicables sur la numérisation en français contribuera à mettre en lumière ces précieux documents d'histoire naturelle et permettra aux détenteurs de données en Afrique de conserver l'autonomie de leurs collections.
Ayant obtenu une subvention de GBF BID en 2021, un réseau international et multilingue de partenaires a entrepris la tâche importante de numériser et de mobiliser les collections de vertébrés au Gabon. On estime à 13 500 le nombre de spécimens de vertébrés conservés dans 5 institutions situées dans différentes régions du Gabon. À ce jour, le groupe a mobilisé plus de 4 600 enregistrements de vertébrés sur le portail de la biodiversité gabonaise récemment lancé. Le portail contient également des guides en français sur l'utilisation des portails basés sur Symbiota pour gérer, géoréférencer et publier les bases de données d'histoire naturelle. Ces ressources peuvent fournir des conseils indispensables à d'autres pays francophones, en Afrique et ailleurs, qui cherchent à maximiser l'accessibilité et la valeur de leur collection de biodiversité. Je vous remercie pour votre attention.